Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas très longue, je pense. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Je voulais vous montrer comment je brodais sur une toile noire. Vous savez, bon, moi je vous l'ai déjà dit assez souvent, mes yeux, ben, ils sont plus de première jeunesse. Et du coup, bah, sur la toile noire, c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, on se débrouille. Donc, je voulais vous montrer comment je faisais pour broder donc sur cette toile noire. Donc là, c'est le sale anniversaire que l'on a commencé le 12 novembre. Donc, c'est le sampler 251, si je me trompe pas. Et voilà, donc on fait une étape par mois. Je tire au sort une case par mois. Le modèle d'origine était donc sur toile noire. Donc moi, je l'ai. On est plusieurs à avoir choisi de rester sur la toile noire. Là, exceptionnellement, c'est de l'Aïda. De l'Aïda 8. Voilà. Alors, je sais. De plus près, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Et voilà ce qui a déjà été fait. Donc, ma case n'est pas tout à fait terminée. Il me reste 2-3 motifs, je crois. Attendez, je regarde. Il en reste un. Bah, il reste 2 motifs à broder. Voilà. Oui, il reste 2 motifs à broder. Et ma case du mois sera terminée. Voilà, bah donc je vais les terminer avec vous. Je suis en train de mettre sur ma tablette. Voilà, hop. Alors, moi j'utilise. Alors, vous savez que je travaille avec une lampe loupe, hein, obligatoirement pour toutes mes broderies. Et du coup, pour la toile noire, je vais utiliser en plus une tablette lumineuse. Voilà. Alors, je vais la brancher déjà. Donc, celle-là, c'est une tablette que j'avais eue à Action, hein, ça suffit très bien. Voilà. Si je mets la prise à l'envers, ça le fait pas. J'ai, alors, je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai mes pinces pour bloquer mon cuisse-nappe dessus. Et donc, ma tablette, voilà. Donc, c'est vraiment très pratique. Ben, vous voyez déjà. Ça permet de voir les trous, voyez. Donc là, c'est complètement transparent. Et tous les trous de la toile, toutes les mailles, sont illuminés par transparence. Donc ça permet de bien voir là où on va piquer. Voilà, tout simplement. Alors, je vais juste bien m'installer pour que je puisse mettre la lampe loupe, parce que sinon, moi, je ne vois rien. Je vous installe bien le téléphone. Je pense que ça doit aller. Hop. Voilà. Donc, la couleur que je dois faire, c'est la 209. Alors. Alors, la couleur 209, la voici, c'est celle-ci. Oui, bon, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas courir après les toiles noires. Hein. Là, je l'ai fait. Bon, bah alors, j'ai compté combien de fils là. Attendez, je n'ai pas tiré le bon fil. Du coup, je suis en train de tout débobiner. Oh là là.
Ouais, parce que bon, c'est quand même fatigant pour moi. Parce que bah, il faut quand même être un petit peu plus attentif sur la toile. Voilà. Mais bon, ça. C'est pas des grosses parties que je fais, donc ça va. Mais voilà. Allez, on va. Attendez, je vais couper le bout. Il n'est pas beau le bout. Ah. Voilà. Bon, elle n'était pas prévue, hein, cette vidéo. Donc, elle est un petit peu faite à l'arrache. Mais bon, c'est pas grave. Alors, dans le temps, j'avais une aiguille. La voici, la voilà. Et mon enfil-aiguille. Vous voyez, j'ai rien préparé en plus, donc. Bon. Ça va. Je vous dis que si je. Bon, c'est rare que je prépare mes vidéos, hein, de toute façon. Mais enfin, je prépare les grandes lignes, comme on va dire. Tout au moins le matériel, mais là je n'ai strictement rien préparé. Donc, c'est comme à la bonne franquette, hein? Voilà. Allez. Alors, vous voyez, hop, on voit bien ma main en transparence. Je vais agrandir le motif sur ma tablette. Pour savoir où je dois piquer. Alors, ah, ça y est, j'éteins. Bon, vous croyez qu'on va y arriver? Alors, je dois piquer là. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, attendez, je vous mets comme ça parce que je dois avancer ma loupe. Voilà. Super. Vous voyez, du coup là, je vois bien mes trous. Bon, ma main fait des fois un peu de l'ombre, hein, mais j'essaye de la mettre le plus possible sur le côté pour ne pas être gênée. Je vais aller par là. Voilà, du coup, je serai. Est-ce que vous voyez bien? Si je vous zoome, oh, ben là, vous voyez plus rien. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Voilà. Là, là, c'est bien. Bon, j'espère que ça va aller pour moi. Si vous me voyez hésiter dans les trous, c'est parce que ma lampe loupe est un peu loin de mon ouvrage. Et donc, vous voyez, si je ne mettais pas la tablette en dessous, je vais l'éteindre pour vous montrer. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment tout noir. Bon, je vois quand même, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, je rallume. Voilà. Et là, on voit mieux. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire hein, pour moi brodé sur du noir. Alors, il y a plusieurs années en arrière, j'avais déjà brodé sur du noir. À cette époque-là, il n'y avait pas de. On ne parlait pas de tablette lumineuse.
Je crois que j'avais même abandonné ma broderie parce que c'était galère. Voilà. Alors, je vais profiter de broder ce petit morceau pour vous expliquer pour le journal créatif qui a eu dimanche. Alors, vous avez pu voir d'abord que vous avez eu la vidéo très très tard par rapport à d'habitude, hein. Je m'en excuse encore, mais j'ai encore galéré avec mon logiciel. J'ai l'impression que quand je fais de très très longues vidéos et que je charge beaucoup de photos sur la vidéo en plus, il souffle, il n'en peut plus. Et du coup, ça bloque, ça fait une vidéo, vous savez, comme si c'était coupé. Voilà. Donc, du coup, quand c'est comme ça, j'arrête. Hein, et là, j'avais voulu remettre en route un autre logiciel que j'ai aussi sur mon ordi. Il m'a fait des mises à jour, c'était une galère pas possible. Donc celui-là, je regarderai quand j'aurai un peu de temps. Et du coup, j'ai repris mon ancien logiciel, qui est toujours sur mon ordi, bien sûr. C'était le Movie Maker, mais la version toute simple. Donc ça a pris beaucoup de temps pour après le montage, enfin si on peut appeler ça un montage puisque je n'ai rien fait de spécial, pour que ça charge du logiciel sur mon ordi. Ça a pris déjà rien que ça a pris 4, ouais, au moins 4-5 heures, je crois. J'ai cru mourir. Et après, il a fallu que ça charge sur YouTube. Voilà. Mais tout ça pour vous dire aussi, vous avez été plusieurs, enfin pas nombreuses, mais deux, trois, je crois, à me dire que la vidéo n'était pas comme d'habitude. Et puis là, je vois que j'ai un souci là. Pourquoi j'ai un souci? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais pourtant, je suis bon là. Oh, j'ai un décalage. J'ai un décalage. Pourquoi j'ai un décalage? Ah, il y a une erreur quelque part, mais je ne sais pas où. Alors, 3, c'est bon. 1, 2, 3, là, c'est bon. 3, là, c'est bon. 2, c'est bon. Donc, c'est là que j'ai un décalage. Là 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 là. Ah, ça m'énerve quand ça me fait ça. au secours, au secours, j'ai crevé un robinet. 2, 2, 2, 2, c'est bon. 2, 3, c'est bon. 2, 2, oui. Tout est bon. Tout est bon. Alors là, je ne sais pas. Ah, c'est ici qu'il y a un problème. C'est dans celui-là. Ah, crotte. Crotte, crotte, crotte. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est bon.
Après, il y en a trois. Oui. Il y en a deux. Ah, voilà. Voilà. J'ai trouvé. Alors, attendez. C'est rien, on va le défaire et on va le refaire pendant que je parle avec vous. Alors, je vous disais donc. Oui, vous avez vu que ma vie, mes images, tout était à l'envers. C'est normal, c'est parce que justement sur mon vieux logiciel, on ne sait pas remettre l'image à l'endroit. Voilà. Du coup, ben, j'ai été embêtée, j'étais obligée de vous laisser comme ça. Je ne sais, sur celui-là, je ne peux pas faire d'incrustation d'image non plus. C'est vraiment le logiciel de dépannage en cas de grosse, grosse panique, ce qui s'est passé dimanche. Donc, voilà. Bon, vous voyez, Pénélope est arrivée à la maison. Oh là là. Bon. Donc voilà, je suis désolée, mais bon, j'espère que dimanche prochain, ça ira mieux. Ce que je vais essayer de faire pour que la vidéo soit... Bon, allez, hop, ça m'énerve, je coupe. Pour que la vidéo soit moins lourde, je vais mettre toutes les photos que je dois vous montrer. Je les mettrai sur ma tablette. Voilà. Et comme ça, je vous les montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Attendez, je sais plus, mais je dois enlever jusqu'où que j'enlève pas tout, hein. Ouais, c'est là. Comme ça, bah, je vous les montrerai avec la tablette. Et ma vidéo sera peut-être moins lourde. Et là, cette semaine, je vais faire un nettoyage de mon ordi également. Regardez ça, c'est plein de nœuds. Je ferai un nettoyage de mon ordi également. Comme ça, ben, je vais l'alléger aussi, tout ce qui n'a plus. Bon, pourtant, j'ai déjà fait un gros nettoyage, hein, dessus, mais tout ce qui n'a plus lieu d'être sur mon ordi ou que je peux mettre sur mon disque dur externe. Voilà. Hop. Ça y est, on est arrivé au bout. Voilà. Alors, on va reprendre, hein. Mais du coup, on va mettre un autre fil sur l'aiguille. Celui-là, c'est le 208. Voilà, donc c'est celui-ci. Ah, là, là. Bon, ça va, j'ai trouvé mon erreur. Ça, je sais pourquoi il y a une erreur. Tout à l'heure, j'en avais marre. J'ai quand même fait trois broderies aujourd'hui. Et au bout d'un moment, bah, j'en avais marre. Donc j'ai pu faire attention à ce qu'il y avait sur ma toile. Mais bon, c'est pas grave. Faire et défaire, on dit que c'est du boulot. Mais bon, en broderie, c'est plutôt casse-pied, hein, quand il faut commencer à démonter, à refaire. Bon, là, il y avait quoi? Il y avait 5, 6, 6. Bon, il n'y avait pas 10 points, mais... Voilà. Ça va être corrigé. En parlant d'erreur, vous savez que je vous avais dit que sur ma Lily... Alors, attendez, je suis où, là? Que je refais pas la même erreur. Attendez. 2, 1, 2, 2, 2, voilà, c'est bon.
Et maintenant, c'est en dessous. Ok. Donc, je vais coincer mon fil hein, dedans. Mon lily-point, l'infirmière. Je vous avais dit que j'avais un demi-point d'erreur que je ne trouvais pas. Mais alors, vraiment, je ne trouvais pas nulle part. Ça y est, je l'ai trouvé, je l'ai corrigé. Je l'ai corrigé. Non, ça va pas ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Je l'ai corrigé et du coup, voilà, tout va bien. Alors, je pensais terminer mon calot. Ben, hier. Ouais, je pensais le terminer hier soir. Mais j'ai pas réussi à le finir. Bon, c'est pas grave. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est rien, vous inquiétez pas, parce que je veux coincer ce fil. Et je couperai après. Voilà. Donc, je suis contente quand je trouve mes erreurs. Attendez, mais non, il y a un truc qui ne va pas. Hein. J'ai un truc qui ne va pas. Attendez, je reviens. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon erreur. J'avais fait un point avec deux trous au lieu d'un. Ah, je vous jure. Hein. Papoter en même temps que broder, ça ne le fait pas. Je vais vous dire, mais dans le titre, c'était marqué, tu étais là pour nous expliquer comment broder une toile noire. Ça a un petit peu dérapé. Voilà. Là, normalement, ce sera bon. Oui, ça va être bon. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai oublié. Bah, je sais plus. Je ne sais plus. Mémoire de poisson rouge. Voilà. Bon, en fin de compte, j'espère que cette méthode, peut-être que vous, vous la faites déjà. Ben, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, cette méthode. Donc, peut-être que vous l'utilisez déjà. Dites-le-moi. Est-ce que vous avez du mal, vous, à broder sur du noir ou est-ce que ça va les doigts dans le nez, comme on dit? Est-ce que vous avez besoin d'une lumière comme moi à mettre en dessous pour broder cette toile? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà. Bon. Oui, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire avant. Désolée. Voilà, que je me retrompe pas, hein. C'est bon, hein, les erreurs. Alors, dans le courant du mois, je sais pas quand exactement, je vous ferai une vidéo avec les projets de 2025. Je vous ferai une vidéo aussi comment, avec tous mes encours. Voilà. Parce que souvent, vous ne les voyez pas tous d'un coup. Hein. Donc, je vais vous faire une vidéo avec tous mes encours. Comme ça, ben, on va faire un petit point. Hop. Voilà, c'est corrigé. Je vais monter plutôt là pour coincer mon fil. Voilà. Voilà, ça c'est corrigé.
Je peux reprendre l'autre maintenant. Après, alors, je sais pas si je la fais début janvier ou fin décembre. Je vous aurai également la vidéo des 6 mois de Chouchou, de ce qu'il a fait en diamond painting depuis le mois d'août. Parce que ça, je vous avais dit, hein, j'en ferai une tous les 6 mois au lieu de tous les ans. Ce sera beaucoup mieux. Alors, voilà. Donc là, je suis là. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Voilà. Là, pareil, alors je ne sais pas lesquels jours, hein, mais je vous dis ce qui va arriver ce mois-ci. Je vous ferai également une vidéo pour vous montrer les différents types de toiles, parce que je sais qu'on me l'a demandé. Donc, sur une seule vidéo, je vous montrerai pour l'Aïda, l'étamine et le lin. Comme ça, vous pourrez bien voir les différences. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, j'ai prévu une vidéo également. Comment broder le lin? Qu'est-ce que vous m'aviez demandé encore? Ben, l'étamine, ça, j'en ai déjà fait une, hein, de vidéo. Comment broder sur l'étamine? Donc, ça, je vous en avais déjà fait une. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête. Bon, là, j'ai les commandes qui vont arriver. Pas des partenariats, hein, des commandes. Donc, je vous ferai une vidéo au fur et à mesure que je les reçois. Et puis, voilà. Pour l'instant, voilà ce que j'ai prévu, mais il y aura d'autres choses, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Vous voyez, bon, malgré que je mets la lumière, moi j'ai tellement une très mauvaise vue que des fois, je cherche quand même encore après mes trous, hein. C'est pour ça que je vous dis, bon, ça, c'est pas du tout ma toile préférée. Alors, attendez, oui, c'est ça. C'est une toile qui me fatigue quand même pas mal. Et c'est pas le genre de toile où je vais faire 500 ou même 1000 croix en une fois. Non. Voilà. Vous voyez, c'est quand même des petites cases. C'est quand même des choses qui... Bon, moi, je brode un peu moins vite parce que ben, j'ai quand même beaucoup de broderie. Puis j'ai aussi beaucoup de choses à faire avec les vidéos, tout ça. Mais je pense que c'est des cases qui peuvent très bien se faire en 15 jours. Même moins, mais bon. Sinon, je verrai par la suite si les filles veulent que j'adapte, que je raccourcisse les étapes ou pas. Mais bon, on verra bien. On va laisser passer comme ça pour l'instant. Voilà, celle-là, elle est faite. Donc, je vais la coucher sur la tablette. Hop. Voilà. Et voilà.
Je vais faire l'autre hors caméra de toute façon et je vous mets la photo à la fin comme je fais d'habitude. Donc voilà, bon, vous aurez compris le principe hein, pour broder, comment je fais pour broder sur du noir. Moi, ça m'aide beaucoup. Maintenant, voir si vous, ça vous va de faire comme ça ou pas. Voilà. Bon, ben là, je vais broder hors caméra le reste pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous mets donc la photo à la fin. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Au passage, pensez à mettre des petits pouces pour faire connaître la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.